chercher de l'eau. C'est bon pour la théorie, faut passer à la pratique maintenant. Tu crois que je suis prêt là pour une course en solitaire? Ah bah oui, mais faut un vrai bateau maintenant. Allez Marcel, à la Trinité. Tiens Jamy, regarde sur quoi je vais naviguer, pas mal hein, c'est ce qu'on fait de plus rapide aujourd'hui pour traverser les océans à la voile. Avec un bon vent, ça peut filer à 30 nœuds, c'est-à-dire quasiment 60 km/h. Il est presque aussi large que long, il doit faire 18,28 m de long et 15,80 m de large. Alors le plus surprenant, c'est de savoir que ce bateau a été conçu pour être piloté par un seul homme, en l'occurrence par Francis Joyon, d'ailleurs qui n'est pas encore là, on va l'attendre un peu. Et pendant ce temps, on va présenter les deux grandes familles de voiliers. D'abord, les monocoques, constitués d'une seule coque. Ils tiennent sur l'eau, enfin ils restent en équilibre, grâce à leur énorme quille lestée qui permet au bateau de se redresser quand il chavire. Enfin, en principe. Ensuite, les multicoques, constitués de plusieurs coques. D'abord, il y a le catamaran. De coque, le bateau tient sur l'eau grâce à son empattement. Le mât est posé sur un bras de liaison qui doit endurer des forces énormes. Enfin, le trimaran, comme le bateau sur lequel se trouve Fred, constitué d'une coque principale et de deux flotteurs. Le mât est posé sur la coque principale et le bateau navigue en permanence sur la coque principale et l'un ou l'autre des deux flotteurs. Bon allez, en attendant Francis, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors ici, c'est le cockpit, le poste de pilotage avec les winch, la barre, presque toutes les manœuvres peuvent se faire d'ici, virement de bord, réglage de voile, c'est normal, c'est un bateau qui est conçu pour les courses en solitaire. Allez, on continue la visite. Et là, on entre à l'intérieur de la coque centrale, c'est le seul endroit où on peut vraiment se mettre à l'abri. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas un bateau de croisière, c'est un bateau de course, il faut être le plus léger possible. Alors ici, on fait la cuisine, là, on a la table à cartes avec tous les appareils électroniques de navigation, ici, un hublot. Très pratique le hublot, ça sert de porte de sortie quand le bateau se retourne et ça arrive. Au-dessus du hublot, on peut mettre une couchette, mais le meilleur endroit pour dormir, c'est là, à l'entrée du cockpit, parce que d'ici, on peut surveiller les voiles en permanence. Mais je crois que le plus curieux sur ce bateau, c'est le mât. Regardez, il fait 80 cm de large et il est profilé comme une aile pour faire glisser l'air. D'ailleurs, on appelle ça un mât-aile. Il repose sur presque rien, sur une petite rotule ici qui permet d'orienter le mât, comme ça. Et pourtant, ce mât, il mesure 30 mètres de haut. Regardez. Ah bah, il est là-haut, Francis. Salut, Francis. Salut, tu Fred. Peux descendre? Ok, je te rejoins. Eh bah, dis donc, faut pas avoir le vertige, hein. Descends drôlement vite, hein. Et hop. Salut. Salut, Fred. J'ai envie de m'initier un peu à la course en solitaire, là, tu m'emmènes? Eh ben écoute, on embarque, on est prêt à partir. On est bon? C'est bon, Jamy, on attaque! Et avec Francis Joyon, Fred, tu as un bon professeur. Aussi une transat en solitaire, par le général de France, et le but est d'arriver le premier de l'autre côté de l'Atlantique. Francis et son bateau sont parmi les plus rapides. Troisième de l'Europe Instar en 1992, deuxième de Québec-Saint-Malo en 1996. Et ce n'est pas fini. Et ce grand navigateur est aussi un amoureux de la mer qui se bat pour qu'on la préserve davantage. Si par exemple on a calme plat au large, la mer est d'huile, on peut vraiment observer le milieu marin autour de soi et ben, on voit effectivement des déchets. Et ben, c'est vrai que si on peut faire un effort pour que ça cesse et pour avoir une mer qui redevienne propre, ce serait merveilleux. Un des premiers navigateurs poètes s'appelait Bernard Moitessier. En 1969, il est parti pour la première course autour du monde en solitaire, sans escale. Il était tellement heureux en mer qu'il a abandonné la course et ne s'est arrêté qu'après 10 mois, seul au large. Aujourd'hui, les bateaux de course sont de formidables à mer. grands, légers, ils portent des voiles immenses et sont capables de traverser l'Atlantique en 7 jours ou de faire le tour du monde en moins de 80 jours. Ça y est, Jamy, je prends le large. Bon, enfin, j'essaye, hein, parce qu'il faut d'abord hisser la grand voile. Et c'est sportif, tu sais que sur ce bateau-là, la grand voile pèse à elle seule 140 kilos. Autant dire qu'un homme seul ne pourrait pas la hisser à la main. Alors heureusement, on a inventé les winch. Ça permet de démultiplier les efforts. Enfin, en attendant, en arrivant là-haut, ça devient quand même de plus en plus dur. Hé, Francis, comment je fais là quand j'arrive là-haut? Je vais tourner dans l'autre sens, ça ira mieux. On tourne dans l'autre sens? Ah bon? Ah bah oui, ça marche bien. Dis donc, Jamy, c'est drôlement bien le winch. Hein. Je sais pas comment ça marche, mais c'est bien. Hein. Bah oui, c'est bien. Un winch, c'est un treuil, un appareil qui permet de démultiplier les forces grâce à tout un jeu de roues dentées qui s'entraînent les unes les autres. Conséquence, quand on donne un tour de manivelle, le cylindre, qu'on appelle une poupée, fait beaucoup moins d'un tour. On a démultiplié les forces, mais on a aussi démultiplié la distance parcourue par la poupée. Si maintenant, c'est encore trop dur, eh bien on change de sens. Et quand on donne un tour de manivelle, la poupée parcourt beaucoup moins de distance, simplement parce qu'on a fait tourner une roue dentée beaucoup plus grande. Finalement, c'est exactement le même principe qu'un dérailleur de bicyclette. Quand on est sur le plat, on est sur le petit pignon, petit trou denté. Maintenant, quand on arrive dans une côte, ça force. On change de pignon, on passe sur le grand. C'est beaucoup plus facile, mais il faut mouliner beaucoup plus pour parcourir la même distance. C'est bon, Francis, pour le phoque. Regarde, Jamy, on vient de hisser le phoque et maintenant, on va border la grand voile. Ça va permettre de prendre le vent. Alors, pour border la grand voile, il faut tirer sur la baume ici. Et là, les forces sont colossales. On peut avoir jusqu'à 7 tonnes d'effort. Alors, un winch ne suffit plus pour border la grand voile. On va faire passer l'écoute de grand voile, cette corde, dans toute une série de poulies, ce que l'on appelle un palan. Ça va permettre de démultiplier les forces. Et ensuite, il faut mouliner. Ah, le palan, ça aussi, c'est une invention géniale pour les marins. Imaginez, une charge de 300 kg. Pour soulever cette charge, pour la déplacer, il faut une force légèrement supérieure à 300 kg. Un homme seul ne peut pas y arriver. Avec un palan, c'est possible. Un palan, c'est un système constitué de plusieurs poulies. On va diviser la force nécessaire pour lever 300 kg par le nombre de poulies. 1, 2, 3 poulies, avec seulement un tout petit peu plus de 100 kg, on va pouvoir enlever 300. Seulement, pour soulever l'objet sur 20 cm, on va être obligé de tirer 3 fois plus de bouts. Oh, faut en tirer des cordes, des bouts. En course, on n'arrête pas de hisser des voiles, de les régler, de changer. Grâce au winch et au palan, toutes les manœuvres peuvent se faire en solitaire. D'ailleurs, winch à deux, c'est vraiment casse-tête. Oui, bah finalement, on est bien en solitaire. C'est plus facile, on n'est pas obligé de gérer un équipage, on peut se contenter de naviguer, de faire en fonction des éléments. Donc j'ai plus de facilité à naviguer en solitaire. Mais par mauvais temps, les manœuvres deviennent dangereuses. Car si on tombe à la mer, personne n'est là pour vous repêcher. Il faut s'attacher ou se tenir solidement et ne pas se laisser emporter par le grand spi. Le spi, c'est cette voile légère en forme de bulle qu'on hisse quand le vent vient de l'arrière. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Sur ce genre de bateau de course, on n'utilise plus tellement le spi. On utilise plutôt le Geneker, c'est une sorte de très grand phoque. Celui-ci fait environ 255 mètres carrés de surface et ça permet d'aller très vite. Là, par exemple, on a à peu près 8 nœuds de vent réel et en principe, on devrait pouvoir avancer à 16 nœuds, 2 fois plus vite que le vent. Vous avez vu comme ça accélère? Alors maintenant, pour diriger le bateau, on a le choix ou on le fait tout seul, en tenant la barre, ou alors on se met sous pilote automatique. Très pratique quand on veut aller se coucher. Alors le pilote automatique, lui, il enregistre directement le cap que l'on est en train de tenir, il transmet l'information à un petit moteur électrique et à un bras électrique qui, lui, va tenir la barre. Et on peut même apporter des petites modifications. Par exemple, là, on va mettre moins 20 degrés. Hop! Maintenant que j'ai les mains libres, je vais pouvoir faire le point. Tiens, Jamy, on va faire un jeu. Le premier qui arrive à calculer la position du bateau. C'est parti. OK. Alors, sinus de hauteur égale sinus de latitude, facteur de sinus. C'est dur. Oh, c'est pas facile comme jeu, hein? T'as perdu, Jamy. Et puis tu te compliques la vie. Regarde, avec cet appareil, c'est un GPS, ça fonctionne grâce au satellite. Il suffit d'appuyer sur un bouton et on a automatiquement la position du bateau. Regarde, là, on est à 47 degrés, 32 minutes de latitude nord et à 3 degrés de longitude ouest. Donc on est précisément là. Oh bah évidemment, si on utilise un GPS, c'est beaucoup plus simple. Comment fonctionne ce GPS? Eh bien, grâce à des satellites, 24 précisément, qui gravitent autour de notre planète à 20 000 km au-dessus de nos têtes. Si bien que, où que l'on soit, à n'importe quel moment, ici par exemple, on entre dans la zone de couverture de 2 ou 3 satellites. Alors comment 3 satellites peuvent-ils déterminer la position du bateau? Eh bien, chaque satellite émet un message radio qui se déplace à la vitesse de la lumière. On sait quand le message part et quand il arrive. On sait donc combien de temps il a mis pour aller du satellite au bateau. Comme on sait à quelle vitesse se déplace le message, on sait à quelle distance le satellite se trouve du bateau. Mais comme la Terre est ronde, eh bien cette distance est la même sur tout un cercle. On est donc quelque part sur ce cercle. Voilà pourquoi il faut utiliser un deuxième satellite qui envoie un message. On obtient donc une distance, un cercle, et on se trouve obligatoirement à l'intersection de ces 2 cercles. On va utiliser un 3e satellite, on va obtenir un 3e cercle, et on est obligatoirement à l'intersection des 3 cercles, c'est-à-dire ici. Foxtrot, Québec, Juliette Alpha, on est par 45, 35 nord, 3 degrés, 01 ouest, là, tu me reçois? Bien sûr qu'on te reçoit, Francis. Les bateaux sont de mieux en mieux équipés en électronique et certains peuvent même transmettre de la vidéo. Je suis trempé des pieds à la tête depuis le départ, donc en fait je dors allongé sur mon bout de coussin et j'ai jamais retiré mon ciré depuis le départ. Eh ben, enfin le plus souvent on s'envoie des fax par satellite, c'est plus efficace que la radio. Personne ne me reçoit, je reçois personne. Mine de rien, ça fait une semaine que j'ai pas parlé avec quelqu'un. Eh mais moi je te reçois, je te vois. Pour avoir de l'électricité, on recharge des batteries grâce à des panneaux solaires ou bien on utilise une éolienne. Sur un voilier, le vent sert à tout. Dis donc, Jamy, c'est quand même pas terrible le vent. T'as vu ça? Il y a une mer d'huile. C'est le calme plat. Dis donc, tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi on n'a pas de vent. D'abord, d'où vient le vent? Eh bien, il faut savoir que la Terre est recouverte d'une pellicule d'air, l'atmosphère, constituée de masses d'air chaud et de masses d'air froid. Ces masses d'air se comportent un petit peu comme des volumes d'eau chaude et d'eau froide. L'air chaud s'élève, en altitude il refroidit, il se dirige vers les masses d'air froid. L'air froid, c'est l'inverse. Il fait pression et au niveau du sol, il se dirige vers les masses d'air chaud. C'est ici que se trouve le vent qui emporte les bateaux. À ce mouvement, il faut rajouter celui de la Terre qui tourne d'ouest en est et nos masses d'air tourbillonnent exactement comme l'encre. On se retrouve avec des masses d'air froid qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, des anticyclones, et des masses d'air chaud qui tournent en sens inverse, des dépressions. Et on sait très bien où se trouvent ces masses d'air. Il y a un énorme anticyclone au milieu de l'Atlantique et des dépressions qui circulent au-dessus d'ouest en est. Et dis donc, Jamy, toi qui es si fort, tu veux pas me dire où aller pour trouver un vent favorable? Parce que là, non seulement il n'y a pas beaucoup de vent, mais en plus de ça, on l'a dans le nez. Donc, on n'est pas rendu en Amérique. Allez, c'est normal que Fred ait le vent dans le nez. Je sais, apparemment, le chemin le plus court pour aller d'Europe en Amérique, c'est d'aller tout droit. Mais si on va tout droit, inévitablement, on va rencontrer des vents contraires. Alors moi, je conseillerais plutôt de remonter au nord. Et merci du renseignement, Jamy. Et c'est pas rentable, ton histoire. Je vais faire 2 fois plus de chemin, moi. 2 fois plus. Évidemment qu'on va faire plus de chemin, seulement... En montant au nord, on va rencontrer des vents favorables qui vont pousser le bateau jusqu'en Amérique. Alors bien sûr, on parcourt plus de distance, mais on va beaucoup plus vite. Les marins qui font une course autour du monde recherchent ces vents favorables. En général, ils descendent le long de l'Afrique. Ils arrivent au niveau de l'Antarctique et là, ils rencontrent des vents d'ouest extrêmement violents qui vont leur permettre de faire le tour de l'Antarctique. Alors ces vents sont extrêmement violents parce que c'est le seul endroit de la planète où il n'y a absolument aucune terre pour arrêter les vents. La plus longue des courses en solitaire, c'est le Vendée Globe Challenge. Sur leur monocoque de 18 mètres, ils partent pour 4 mois dans le tour du monde sans escale. Eh bien, j'espère qu'on n'a rien oublié, hein. Dans l'Atlantique, l'océan Indien et le Pacifique, ils vont parfois rencontrer des tempêtes de plus de 120 km/h. De l'Antarctique, le radar est en marche pour surveiller les icebergs qui dérivent et qui sont très dangereux. Et avant de remonter vers l'Europe, il faut passer le fameux Cap Horn, à la pointe de l'Amérique du Sud. Ici, les vagues peuvent atteindre 20 mètres de haut. Il est là, le Cap Horn. Je sais pas si ça se voit, mais c'est fou ce que je suis content. On a plus Cap Horn. J'ai envie d'en s'y aller, pour ça tellement super d'être là. Le Vendée Globe Challenge, c'est une course tellement difficile que même la dernière a accompli un véritable exploit. Ah, c'est cuisine. Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Ah, là, je suis en train de nous faire un petit plat de nouilles. Ouais, qu'est-ce que tu manges, toi, en général, quand tu es en solitaire? Oh, beaucoup de petits encas, tu vois, des petites barres de céréales, du chocolat, des petites choses comme ça. Ouais. Quelquefois du lyophilisé, je vois que tu en as préparé. C'est ça, le lyophilisé, oui. Hein. Oui. Voilà, omelette alors, au cazzarbe, alors ça marche comment, ça? Ça, il faut mettre de l'eau pour réhydrater en fait une nourriture qui n'a plus d'eau. Est-ce que c'est intéressant au niveau gain de poids? Nous, c'est qu'on lutte toujours pour avoir le bateau le plus léger possible. Ouais. Donc, parce qu'il faut remettre de l'eau dedans, c'est intéressant que si on a un désalinisateur. On cuisine jamais à l'eau de mer, il y en a partout, c'est pas ce qui manque. Dans les nouilles, j'ai mis 1 tiers d'eau de mer et 2 tiers d'eau douce. Ouais. Comme ça, mais si j'en mets plus, si je mets par exemple moitié-moitié, on a des nouilles beaucoup trop salées et on n'arrivera pas à les manger. Elles seraient vraiment beaucoup trop salées. D'accord, donc on est toujours obligé d'embarquer de l'eau douce quand même. Toujours, oui, on part sur une base de 1,5 litre par jour et par personne. D'accord. Bon, bah on attend que ce soit prêt. Moi, je vais dormir un peu, hein, Francis. Eh ben, je te laisse gérer l'intérieur et je vais prendre la barre. Je surveille les nouilles. Fred à la cuisine, ça m'épate. Bon, les amis, moi je vais dormir un peu. Hein. Enfin, dormir, c'est un grand mot parce que dans une course en solitaire, on dort jamais beaucoup. Hein. 1 quart d'heure par-ci, 1 quart d'heure par-là, parce qu'évidemment, il faut surveiller les voiles et sortir régulièrement pour faire des manœuvres. Pourtant, tu sais, l'idéal, c'est de dormir à peu près 1 heure et demie. Il paraît que c'est bien 1 heure et demie. Tiens, bah, réveille-moi dans 1 heure et demie. Un adulte dort en moyenne 8 heures par nuit. Mais attention, le sommeil n'est pas uniforme. Il est divisé en cycles et chaque cycle est divisé en 2 phases. D'abord, il y a l'endormissement. Et ensuite, on plonge dans la première phase, ce qu'on appelle le sommeil profond. C'est le moment où les muscles se détendent. Puis, on remonte doucement vers la 2e phase, le sommeil paradoxal. C'est le moment où le cerveau se régénère. C'est aussi le moment où on rêve. Alors, un cycle dure en moyenne entre 1 heure et demie et 2 heures. Puis ça repart et il se renouvelle 5 fois par nuit. Alors évidemment, quand on est seul sur un bateau et en course, on ne peut pas dormir 8 heures d'affilée et laisser le bateau sans surveillance. Il faut absolument répartir ce sommeil sur toute la journée et pas n'importe comment. Pour certaines personnes, quand on coupe un cycle, on en perd tout le bénéfice. Par conséquent, il faut répartir les cycles sur 24 heures. On va par exemple dormir 1 heure et demie entre 7h et 8h30, 1 heure et demie entre 11h et 12h30, etc., etc. Mais pour que ça fonctionne, les marins doivent absolument savoir quand commence le cycle et apprendre à réduire le temps d'endormissement. Ça y est, Fred, t'as compris? Oh, t'as compris ce que j'ai dit? Fred? Qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as compris ce que j'ai dit? Non, mais ça va pas, j'ai envie de me réveiller. J'ai pas fini mon cycle de sommeil. Oh, puis je me sens pas très bien, moi. Et dis donc, Francis, je crois que j'ai un peu le mal de mer, là. Ça t'arrive jamais, toi? Oh, tout le monde a un peu le mal de mer, mais tu vas trouver de quoi te soigner dans la boîte à pharmacie noire à l'intérieur. Là, hein? Oui. Ok, merci. Bon, alors, la trousse à pharmacie, elle est là. En principe, à l'intérieur, on trouve tout ce qu'il faut pour se soigner tout seul en mer. Alors, celle-ci, elle a un peu vécu parce qu'elle a chaviré avec le bateau pendant la dernière transat en solitaire. Alors, voilà, des médicaments, des pansements, des bandelettes, et c'est pas tout. Un bistouri pour se faire des petites opérations, des piqûres et il y a même des points de suture quand on a besoin de se recoudre si on s'est blessé sur le bateau. Et il y a même un mode d'emploi. Bon, bah, avec ça, je devrais m'en sortir. Mais le mode d'emploi, ça ne suffit pas toujours. Quand ils sont malades ou blessés, les navigateurs solitaires sont obligés de communiquer par fax avec le médecin de la course. Et certaines blessures peuvent être graves. Il faut qu'ils se soignent sur eux-mêmes. Donc on est relativement vite limité au niveau des capacités de traitement. Par exemple, les points de suture, on peut difficilement entreprendre autre chose que des points de suture. Une intervention chirurgicale est complètement impensable. Il faut piloter à distance le marin et essayer d'avoir toujours une appréciation la plus fidèle possible de ce qui se passe réellement sur le bateau. Pendant le Vendée Globe, Bertrand de Broc a dû se recoudre la langue lui-même après une manœuvre qui s'est mal passée. C'est difficile de continuer encore 13 000 milles avec un bateau qui se décrase. Ah, c'est pas rose tous les jours la vie de marin. Au fait, et toi Fred, c'est passé ton mal de mer? Ah ouais, je me sens drôlement mieux. Hein. Ah bah tant mieux. Mais qu'est-ce que tu regardes au juste avec tes jumelles? Bah je regarde s'il n'y a pas des baleines parce qu'à la vitesse à laquelle on va leur faire mal, hein. Ouais bah, fais attention aux billes de bois parce que ça aussi, ça peut faire très mal. Au bateau. Tu crois? Ah ouais. Il y a des bateaux qui ont coulé à cause de ça. Et Jamy, de toute façon, ça m'est complètement égal. J'ai ma combinaison de survie. Bon, elle est un peu grande, hein, mais c'est taille unique. En tout cas, c'est drôlement pratique parce que c'est complètement étanche et puis ça flotte. Et on peut rester dans une eau à 0 degré pendant 20 heures. La température du corps ne descend quasiment pas, enfin un petit degré. Et puis j'ai ma balise Argos et un canot de sauvetage. Lui aussi, il est drôlement pratique. Il suffit de le pousser à l'eau, de tirer sur la ficelle et il se gonfle automatiquement. Tu veux voir ? Tu vas voir Jamy, il va se gonfler en quelques secondes, il y a une bouteille d'air comprimé à l'intérieur. Je la déclenche. Bon allez, j'y vais. Raison Fred, on n'est jamais trop prudent. En mer, les dangers sont nombreux pour le solitaire. Une sieste un peu trop longue et on peut se retrouver sur des récifs ou sur la plage. Cette fois-là, le marin et le bateau ont été sauvés. Mais en course, il y a aussi de la casse, du chavirage. Plusieurs grands marins ont disparu en mer avec leur voilier, mais de nombreux naufragés ont été sauvés grâce au radeau. Un marin est resté là-dedans 130 jours. Alors regarde Jamy, c'est génial, il y a tout ce qu'il faut sur un radeau de survie. Il y a de l'eau plate, hein, de l'eau potable, évidemment. Il y a aussi de la nourriture. Ça, ce sont des biscuits. J'en ai ouvert un paquet. Oh. C'était pas mauvais, mais enfin, je passerai pas mes vacances ici. Hein. Il y a aussi du matériel de pêche. Ça, c'est pour varier les plaisirs, hein, pour les repas. Il y a une combinaison isothermique quand il fait vraiment trop froid. Et puis, il y a plein de choses. Il y a des pagaies, il y a une pharmacie, il y a des piles électriques. Et puis moi, j'ai ma balise Argos. La balise Argos, très pratique, c'est elle qui envoie des signaux vers les satellites et c'est grâce à elle notamment que l'on arrive à avoir en permanence la position des navires pendant les courses. Mais sur la balise Argos, il y a une position spéciale lorsque l'on est naufragé, une position qui envoie un message de détresse. Bon, faut pas jouer avec hein, parce qu'il faut pas faire venir les secours pour rien. Bon, il est où là Francis avec le trimaran? Francis! Francis! Il s'en va! Francis! Mais t'inquiète pas, il va revenir. Et puis tiens, au cas où tu déclencherais ta balise Argos, on va expliquer comment elle fonctionne. D'abord, grâce à 2 ou 3 satellites qui gravitent autour de la Terre. Attention, ce ne sont pas les mêmes que pour le GPS. Ceux-ci passent au minimum 6 fois par jour au-dessus du bateau. Tout dépend de l'endroit où on se trouve. Maintenant, comment la balise connaît-elle la position du bateau? Eh bien, grâce au GPS qui est embarqué à bord. Sur une balise comme celle-ci, le GPS est intégré. Ensuite, le message est transmis au satellite qui le renvoie au sol. Lorsque le bateau est en détresse, eh bien, il suffit de déclencher un message de détresse. Il est transmis au satellite et renvoyé au sol. Comme au sol, on connaît déjà la position du bateau, eh bien, on peut déclencher un plan de secours. Brrr. Hé Jamy, tu pourrais réveiller Francis quand même qui vient de me chercher. Francis! Francis! Mais t'inquiète pas Fred, il vient de s'endormir là. Il commence son cycle, suffit d'attendre une petite heure et demie. Allez, attends un petit peu, il va venir. Bon bah puisque c'est ça Jamy, hein, moi je vais déclencher les fumigènes. Tu l'auras voulu! Jamy, viens te chercher, tu peux pas rester là! avec toi, je vais te chanter une chanson. Tu la connais celle-là? Il était temps.